Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, je vous retrouve donc pour une création de Sims. Ça faisait très 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 longtemps, ça faisait plus je crois de 7 mois que j'avais pas fait de création de Sims. Et j'avais envie de m'y remettre parce que j'aime bien créer des Sims tout simplement. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais créer une personnalité qui est dans The Voice. Donc ceux qui ne connaissent pas The Voice, c'est l'émission sur TF1 de chant. Où en gros, voilà, il y a un gagnant. Donc par exemple, le gagnant de la saison 3, c'était Kenji. J'ai jamais trop suivi The Voice, mais en ne faisant rien de ma journée un samedi soir, je me suis mis à le regarder. Et depuis, bah voilà, tout simplement, j'adore. Comme vous l'avez vu, je vais créer Ancilla dans les Sims 4, tout simplement. Je n'utilise pas, je crois, de contenu téléchargé. J'utilise par contre des vêtements de Sims 4 au travail. Après, tout ce qui est maquillage, etc., c'est dans le jeu de base. Au passage, je tiens juste à dire que je ne suis pas non plus hyper fort en création de Sims. J'ai vraiment fait ça pour le plaisir, parce que j'adore créer des Sims, et que ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas créé. J'avais envie de vous partager cette création. Donc voilà, si c'est pas totalement parfait, je n'y peux rien. Au cas où, j'ai reconnu un petit peu mes erreurs au final à la vidéo. Vous allez voir que j'ai mis les joues un petit peu trop creuses et que j'ai pas mis les bons types de lèvres. Mais bien sûr, vous pourrez la télécharger sur la galerie avec mon origin ID que je donnerai en fin de vidéo. Vous pourrez la télécharger et elle, par contre, celle que vous téléchargerez, elle aura les joues un peu moins creuses et des lèvres un peu plus réelles par rapport à la vraie personne. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo tout simplement, je suis en train donc de créer son visage, donc vous voyez que je suis parti d'une base juste horrible. Alors je lui ai mis des traits de caractère, j'ai mis que c'était un génie de la musique parce que pour moi je trouve que c'est ma préférée avec Lilian dans la saison 4 de The Voice. En aspiration donc j'ai mis génie de la musique et en traits de caractère je lui ai mis... je crois qu'elle était forte en musique. J'ai mis joyeuse et j'ai mis, je crois, extravertie. Honnêtement, dans l'équipe de Florent Pagny, c'est vraiment celle que j'aimais. Alors oui, je commence directement à partir un petit peu dans tous les sens. Je commence à parler de The Voice alors qu'on est sur une vidéo Sims. Je suis désolé, mais voilà, c'est un rapport. Honnêtement, l'équipe de Florent Pagny, je trouve que c'est la meilleure avec... attends, comment elle s'appelle? Zazie. Voilà, je trouve que c'est les deux meilleures équipes. Avec peut-être Mika, je trouve que Jennifer, voilà, c'est peut-être l'équipe que j'aimais le plus. Je sais pas pourquoi ils ont gardé Com, j'ai pas compris. C'est, je sais pas, je trouve qu'ils chantent mal, j'aime pas. Bon, bref. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, je suis en train de designer son nez qui est un petit peu spécial d'ailleurs. Elle est très, elle est unique, je trouve, parce que, voilà, elle a le crâne complètement rasé, elle a une tête assez spéciale. Et c'est ça qui est bien d'ailleurs, ça donne un petit peu de je sais pas comment on pourrait dire le mot, de difficulté à la faire, et j'aime la difficulté, voilà. Donc vous voyez là, je suis en train de designer un petit peu ses lèvres, alors c'est pas les bonnes au final, parce que vous voyez que la vidéo dure plus de 10 minutes, même si au final j'y arrive, mais comme je vous ai dit, j'ai fait les joues un petit peu creuses. En musique de fond, vous voyez, j'ai mis des musiques en fond, c'est des musiques qui viennent de YouTube, je sais pas comment elles s'appellent, voilà, au cas où si vous vous demandez. Où est-ce que je cherchais ces musiques? Donc là, je suis en train de peaufiner ses yeux que je trouve d'ailleurs très très beaux. J'ai recopié Ancilla dans les Sims 4 avec les photos de Google Images, donc c'est des photos tout simplement banales. Et l'idée m'est venue de la créer parce que un gars ou une meuf, je ne sais plus, sur un groupe de Sims m'a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut créer Ancilla. Voilà, il a posé une question. J'ai dit ok, si tu veux je vais la créer. Je l'ai créé, il m'a dit c'est super beau. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo de la création de cette personne dans les Sims 4. Voilà, je proposerai peut-être un petit peu plus de vidéos de création de Sims. C'est vrai que j'en propose pas souvent. C'était quand même d'il y a 7 mois la dernière. Donc voilà. Mais peut-être j'en proposerai un petit peu plus, même si je ne voyais que je ne suis pas non plus le meilleur en création de Sims. Il y a quand même beaucoup meilleur que moi, même si j'essaye de me débrouiller un petit peu. Donc là, je suis en train de choisir sa bouche, c'est le bordel. C'est super dur à choisir sa bouche. Même pour les joues, en fait, comparé aux... Je trouve que, voilà, dans les Sims 4, c'est plus facile de créer n'importe quel Sims. Dans les Sims 3, c'est vachement dur et ils se ressemblent un petit peu tous dans les Sims 3, je trouve.
De toute façon, donc dans les Sims 3, ça aurait été impossible de la créer, je pense. Voilà. Ensuite, bien sûr, il faut lui mettre du maquillage, même si dans les prestations, enfin dans son arrivée dans The Voice, elle avait pas trop de maquillage sur elle, ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, elle reste très très naturelle. Elle n'avait pas trop de maquillage et ça qui était bien. Alors j'aurais aimé aussi faire, comment elle s'appelle l'autre qui était avec elle? Camille Lelouch, si vous voulez en commentaire, d'ailleurs comme j'avais fait dans mes précédentes vidéos de création, dites-moi en commentaire qui vous voulez que je crée. J'avais fait ça d'ailleurs il y a 7 mois pour la démo des Sims 4 Create a Sims, crée un Sim en français. J'avais fait ça, alors si vous voulez que je reprenne, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je crée des personnes, voilà, admettons vous voulez me dire, créer, je sais pas moi, créer... Grégoire, voilà, je sais pas, ça me passe par la tête. Créer Grégoire, ok, je vais créer Grégoire, voilà, si vous le souhaitez. Pas de problème, vous pouvez me le dire en commentaire. Alors là, je vais rajouter des rides, mais c'est pour m'aider dans la conception du Sim, parce que bien sûr, après, je les enlève, parce qu'elle n'est pas aussi ridée, Ancilla, c'est pas possible. Donc, vous voyez que là, j'ai fait un petit peu les joues. Un petit peu creuse, je trouve. J'aurais dû faire des joues un petit peu moins creuses. Enfin, sur une partie de la joue, des joues, parce que voilà, en fait, les joues sont en 3 à 5 parties. Enfin, en 3 parties sur le mode, comme vous voyez là. Et dans le mode de modification, ça passe, je crois, à 5 parties. J'ai fait donc des joues un tout petit peu creuses. C'est un petit peu dommage. Mais bon, ça va. Vous pouvez les modifier dans le. Voilà, vous pouvez les modifier vous-même par la suite. Donc là, je suis en train de mettre ses oreilles bien comme il faut. Elle a les oreilles. Elles sont vraiment en fait collées à sa tête, quoi. Elles sont vraiment collées à sa peau, tout simplement. À la peau de son cerveau. Je dirais, oh, la merde. Voilà. Elles sont vraiment collées, on va dire, à son visage, tout simplement. Là, vous voyez, je lui mets du. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce type de maquillage. Désolé, je n'en mets pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, ça lui fait un effet marron. Voilà, sous la paupière, je crois. Oula, moi, je suis pas prêt à être youtubeur beauté, c'est mort. Voilà, ça lui fait. Voilà, j'ai mis ce type de maquillage. J'en ai pas trop mis, comme vous pouvez voir, parce que sinon, voilà, après, ça rend pas très très bien non plus. J'en ai pas trop mis. Même si parfois j'ai essayé d'en mettre un petit peu, mais voilà, j'en ai pas trop mis quand même. Si vous voulez, au passage, que je crée d'autres personnalités de The Voice, enfin, je vais surtout créer les finalistes, je pense, parce que c'est-à-dire, attends, il y a qui? Il y a David, il y a Ancilla, donc celle que je suis en train de créer, il y a Com, et il y a. C'est qui le quatrième? Je ne sais plus. Je sais que c'est un gars, mais je ne sais plus qui c'est. Lilian. Voilà, Lilian. Voilà, c'est Lilian. Donc, si vous voulez que je les crée aussi, les trois autres, n'hésitez pas à commenter. Donc, là, je suis en train de créer son corps. Donc, je viens de voir qu'on peut choisir la grosseur du cou et de la tête. Alors, j'ai trouvé sa tête trop haut par rapport à son corps, en fait, au reste de son corps. Donc voilà, je choisis une robe au début, mais après je crois que je vais choisir un t-shirt. C'est d'ailleurs un t-shirt, je crois, qu'elle portait quand elle a fait. Quand elle a chanté dans The Voice, tout simplement. Voilà. Et après, je lui mettrai un petit pantalon noir. Je vous laisse regarder ça. Et je vous retrouve quand il y aura un petit peu plus de nouveautés à vous dire. Thank you.
Voilà, je passe maintenant au choix des vêtements. Donc, au début, je me suis dit, on va choisir une robe. D'ailleurs, cette petite robe à points noirs est faite par, je crois, Orlan. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais mettre son blog dans la description de la vidéo ou si vous nous demandez en commentaire. Voilà donc le genre de pull que j'ai mis. C'est le même qu'elle portait en fait quand elle est passée dans The Voice, tout simplement. Voilà, c'est un vêtement qu'elle portait. C'est là que vous pouvez voir aussi que voilà, je lui ai fait les joues un petit peu trop creuses, mais bien sûr, vous pourrez les rendre un petit peu moins creuses puisque c'est à télécharger. D'ailleurs, je vais donner mon origin ID. Ben 48 13 sans espace, sans majuscule. Vous marquez ça dans la galerie. Normalement, vous trouverez. J'ai mis déjà plein de créations. J'ai mis des maisons, j'ai mis des familles, j'ai mis vraiment plein plein de trucs. Là, je lui choisis voilà son pantalon et après je lui mets des talons, voilà, enfin des chaussures, voilà, parce que je sais pas comment ça s'appelle, ainsi que des petits accessoires. Là, je lui mets son nom, donc Ancilla The Voice 2014, je crois, s'appelle. Et voilà, c'est la fin bientôt de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous cette vidéo, à donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi donner votre avis, enfin commenter. Pour me dire si vous voulez d'autres créations de Sim, vous pourrez la télécharger bien sûr sur la galerie comme j'ai dit tout à l'heure. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!